Bonjour à toutes et à tous, c'est Salomé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu de voltige. J'aimerais vous expliquer un petit peu le premier cycle et les bases. Alors, le premier cycle, qu'est-ce que c'est ? Le premier cycle, c'est la première étape de sa formation voltige. Ce sont des figures où l'on subit des jets exclusivement positifs. Donc, pour vous illustrer un petit peu mes explications, j'ai choisi un vol d'entraînement que j'ai fait à Châteauroux-Déol. Donc vous allez pouvoir profiter des jolis paysages. Et le programme que nous allons faire est un programme de compétition. C'est le programme de l'année dernière, du premier niveau. Alors c'est pas un programme très évident, mais par contre très intéressant. Alors, pour que chaque figure soit bien lisible et distincte vue du sol, nous commençons et nous finissons chaque figure par un palier. Palier ventre ou palier dos. Pour essayer d'être assez clair dans mes explications, en fait, je vais vous réciter la musique que je me chante dans ma tête à chaque fois que je fais une figure pour bien être concentré sur ce que je fais. Comme vous pouvez le constater, vous avez le dessin des figures dans l'avion devant moi. Vous allez pouvoir suivre avec moi. La première figure, c'est une marche. Alors, je tire bien droit. Je vais tirer en arrière sur mon manche pour me mettre sur le dos. Je marque un palier dos. Je réduis les gaz, je vais chercher mes 45 degrés descendants, demi-rotation. Je marque et je sors, palier ventre. La troisième figure, c'est un Immelmann, une mise dos par demi-boucle. Donc je tire bien droit, mon triangle passe bien au-dessus de l'horizon. Et là, j'envoie une demi-rotation pour me retrouver sur le ventre. Ensuite, nous allons faire une vrille. Donc je réduis bien mes gaz. Je lève le nez de mon avion pour pouvoir le faire décrocher. Et une fois qu'il décroche, j'envoie du pied pour faire aider la vrille. Un tour de vrille et je stoppe. Je marque bien ma verticale descendante et je sors. Ensuite, cinquième figure, ça sera un Immelmann avec un tonneau complet là-haut. Donc je tire bien droit pour me mettre sur le dos. Hop, et là je fais un tonneau complet, sans désaxer, pour me retrouver sur le dos. Ensuite, nous allons faire un virage dos. Donc vous voyez, j'incline bien mon avion et là je fais 180 degrés en virage pour retrouver mon axe, ma piste, dans l'autre direction. Hop, je marque, palier. Un demi-tonneau à gauche, un autre demi-tonneau à gauche, un demi-tonneau à droite. Aïe, 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 c'est dur. Et ensuite, je tire bien droit, je fais 5 huitièmes de boucle. Je vais chercher mes 45 degrés descendants. Je marque demi-rotation. Je marque et je sors. Alors, l'avant-dernière figure, c'est un renversement. Alors, je tire bien droit. Je vais perdre de la vitesse, alors pour contrer l'effet gyroscopique de mon hélice et tenir mon avion bien droit, il faudra que je mette du pied à droite. Ensuite, dès que mon aile gauche va commencer à descendre, je botte à gauche, j'envoie un coup de pied à gauche, je passe perpendiculaire au sol et je vais chercher ma verticale descendante. Je marque et je sors. Et dernière figure, c'est une boucle. Donc je tire bien droit tout au long de ma boucle. Arrivé en haut du sommet, je relâche légèrement pour laisser flotter dans les bretelles et après je cadence pour que ma boucle soit belle, bien ronde et de façon régulière. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Je vous fais des gros bisous, passez une très bonne journée. Pour les explications, ça sera plus facile. Pour les explications, ça sera plus facile en images. C'est parti.